Ah, d'accord. Bon, on m'apprend que Papa Wemba lui-même annonce la proclamation. Alors, on va faire monter Papa Wemba Bakala Diakouba. On a une proclamation Salema. Est-ce qu'on a une proclamation Salema? Alors, Papa Wemba va monter sur le podium encore une fois. Parce que Masolo a quitté Nirosi Lade. Papa Wemba le Bakala Diakouba. Qui a dit Mboula Kama. Papa Wemba qui salue le sapologue, c'est-à-dire qu'il confirme. Applaudissements corrige pour Papa Wemba, s'il vous plaît, Bakala Diakouba, notre père. Papa Wemba, dans la proclamation de l'on a soirawa, à sa père, maman nana. Ben Mukasha Lumbuela. De Molal. Ben Mukasha Lumbuela. Apparemment, Papa Wemba Ndimi, quoi. À vrai dire, ma gamme m'envoie, comme voit, il y a ça, puis Bandakana Brazzaville. Ah. Il se sera témoin. Voilà. Et lumière sera faite sur ses sapeurs. Aïe, 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 aïe. Ça s'annonce chaud ce soir. Qui a emprunté le Gianni Versace de son ami? Qui est allé chercher le Dolce Gabbana d'autrui pour nous montrer? Qui a acheté... Venez, venez, venez mes amis, venez. On va voir de quoi vous êtes capables. Passez là. C'est pratiquement un défilé. Allez, allez jusqu'au fond du podium de l'autre côté. C'est terrible. Hein? C'est vraiment, vraiment terrible. Alors, ça s'annonce chaud, mon cher ami. Tu peux nous dire déjà comment tu t'appelles? Bah, je me présente. D'abord, je salue la foule qui est dans la salle, que je respecte énormément. Ils sont tous bien habillés, ils sont très beaux. Je les félicite à eux tous. Donc je me présente, je suis Norba Nimrod de Paris. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, ils savent ce que c'est Nimrod. Donc c'est l'habillement, c'est mon amusement, c'est là où je me défoule après des journées de travail. Et comme tout le monde dans la salle, c'est une fête. La salle, c'est pas la guerre, voilà. Tu peux nous présenter la collection que tu as voulu mettre aujourd'hui? Bah, en matière de collection, en fait, d'abord, je tiens d'abord à signaler. S'habiller, ce n'est pas forcément les griffes. Mais s'habiller, c'est savoir marier les couleurs et savoir où on va. Donc là, comme vous voyez vous-même, je suis très cher. Je veux commencer par ça. Ça, c'est un chapeau Marlboro classique. Pour ceux qui connaissent, ils savent. Là, j'ai mis sur moi pour marier les couleurs, il y a du marron. Donc les griffes, ils sont là, c'est de Emmanuel Kahn. Et là, je suis en un costume trois pièces Brover. Donc c'est américain. Et là, j'ai un lacet en crocodile signé John Odds. C'est pas du Jean-Marc Weston, mais c'est du John Odds en crocodile. Juste pour qu'on ait une petite idée, ça coûte à peu près combien tout ce que tu as là sur toi? Bon, moi, en ce qui concerne les prix... Cette histoire, c'est un petit peu tabou parce que nos pays en Afrique, ils traversent des périodes très difficiles. Donc, je ne voudrais pas choquer une partie de la communauté pour énumérer ou donner le prix de ce que ça coûte. Mais il faut travailler dur. Donc, voilà, je ne peux pas donner un prix, mais ceux qui regardent, ils savent combien coûtent ces pièces. Donc, je n'ai pas envie de choquer ma communauté. Merci. Visiblement, vous avez des fans dans la salle, mais vous avez aussi des adversaires qui vont monter à un moment donné. Alors, mon frère, tu vas te présenter? Ouais, je me présente. C'est l'anglais Stanley de Paris. Comme vous pouvez le savoir, je suis parmi le premier Congolais d'avoir acheté la paire Weston Alligator. Donc, pour ceux qui me connaissent, c'est bien Stanley de Paris. Alors, Stanley, présente-nous la collection que tu as choisie ce soir. Bon, déjà, aujourd'hui, je peux déjà vous dire, là, je suis en Loris Azaro. Et mon Bermuda, c'est du Nkenzo.
Donc, n'allons pas trop loin. Je ne veux pas trop m'extrapoler sur les vêtements que j'ai mis. Mais ceux qui me connaissent, ils savent que le garçon-là, c'est un bon. Voilà. Mais pourquoi une culotte au lieu d'un pantalon? Non, ce n'est pas une culotte. Donc, il ne faut pas trop faire la confusion. Ce n'est pas une culotte. Excusez-moi, je suis peut-être profane en sape. Non, ce n'est pas une culotte, mais c'est une bermuda. Ah, d'accord. Et ça coûte à peu près combien l'ensemble? Bon, là, je peux pas dire. Parce que, vous savez, je suis un Africain. Parce que si je donne le prix, imaginez la suite. Merci. On va faire appel à un autre sapologue ou sapeur. Lui, je le connais bien. Il s'appelle Archevêque. Archevêque, ce garçon de Kinshasa, qui aujourd'hui est à Paris depuis plusieurs années. Archevêque, d'abord, un mot sur la sapologie. Merci Paris. Merci Paris, bonsoir. La sape n'est pas la voyoucratie. La monnaie va tintin balékiawa, mais ma camion est bandité. Batoba ebinga, comme on a marché avec le bobo, guide spirituel à ma camion bilamba. Batintin, ton matatang papa emba, à Kokota. Ma camion est bandité, ton présenté ma griffe, la présence à Yemolenkourou, papa Wemba, Yango Sikoyo, Nedo Zaboye. Moi, je n'ai pas de griffe si vous avez. Mais je suis là déjà. Je suis là. Je suis là. Je balar nangai et sera magité. Bon les londes et toyawa n'a sepel mingi maître Didier Goliath allirait mieux la guerre de la sape donc kalamingité magamoto banda. Donc en un mot, archevêque, comme ça qu'on l'appelle dans le monde de la sape, a voulu dire qu'il est là, il marque le terrain et il contrôle le terrain. Bientôt ce sera la grande bataille en présence d'une Kourou Papa Wemba. Donc via ça l'appel à l'obé nangai petit nangai. Yo linga pa kama bilamba. A benga be bokolo kanze mazo ba mikolo ba benga yi le patriarche la sap. Dota la moni ba tintin na moni ka vie na ngalandi vie mo ye o petit na ngai le kakaka défendre ki sa sanga bi bo problème zate a devoir na ngana osala kaka na cadre mission na ngai. Donc c'est que papa mbaza déjà na loge te représenter le ba bilamba. Merci archevêque, à tout à l'heure puisque tu vas revenir. Alors il y a une riposte parce que il paraît que Brazzaville n'est pas content des propos d'archevêque. Bonsoir mon frère, tu te présentes. Finalement je ne me présente pas, je m'appelle Bob. Mais archevêque Akimi, Je suis un archevêque. Azo sagana na lingina mona ye awa sokaza puissant amonana oya monique il est puissant plus fort que moi atelema awa. Bon, le défi est lancé, qui peut rivaliser à Bob? Qui dans la salle? Mais viens rapidement, viens montrer de quoi tu es capable puisque Bob est prêt à en découdre une bonne fois pour toutes. Salut mon frère, tu te présentes. Bonsoir, je me présente, moi c'est Nilton Kid Kalou, c'est moi qui ai habillé ce soir Papa Wemba. Donc je me présente, je suis venu dans cette soirée pour définir un tout petit peu la sape. La sape, ce n'est pas seulement Dolce Gabbana, ni Gauthier. On peut porter aussi ce que je viens de porter, c'est ma propre création. Je vous démontre de A plus B que Nilton Kid Kalou, c'est un couturier malien qui est installé dans le Marais, qui fait partie de la communauté congolaise aussi et de la communauté africaine. Donc je suis venu ce soir pour cette soirée montrer au peuple africain aussi, ainsi aux peuples européens, qu'il y a des Africains qui s'habillent très bien, très bien. Et donc je vous démontre un tout petit peu ce que j'ai porté ce soir. Il faut encourager, applaudissez pour lui s'il vous plaît, c'est quand même un digne fils d'Afrique qui a osé... Et nous te souhaitons bonne chance.
Bob, un dernier mot pour... Merci, un dernier mot avant qu'on passe à autre chose. En fait, j'ai pas un dernier mot. Namoni archevêque à Lekiawa, Nabilamba, ma peinture, Banini, c'est quoi ça? Archevêque Ayakawa, Namona Bino Nabilamba, pam pam Mozanangwa. Bilamba, pam pamba. Omoni Bilamba, et Yaka Nakata boîte Nango, y'a Valentino, Nakoko Nango. Est-ce que Mozana Mongo, alors somme GSMO, Bata Mongo, archevêque, alors sa GSM, Namonae, alors sa montre, Namonae. Amlak ça va bref ba manchette écossais na monaye ba stani de Paris bi pam pam ba kilota pam pam ba c'est quoi ça on a ça posé bengo boyaka na monabino. Merci Bob. Bob est très remonté visiblement, mais on va attendre l'arrivée de Papa Wemba pour en découdre une bonne fois pour toutes. Applaudissements pour tous les sapeurs qui sont passés ici, quand même ils ont été courageux. Merci, je remercie tous ceux qui sont passés ici il y a quelques instants, le tout dernier en tout cas. Le tout dernier. Ta collection, c'est quoi ce soir? C'est du Dormeil, marque américaine. Montre au public. C'est du Dormeil, marque américaine. Bon. Ça, c'est du Weston, là, c'est en croco. J'ai des bas de Pierre Cardin. Hein, c'est Fredin Kouga, quoi.